Je vous souhaite vivement de ne pas vous tromper. Il n'y a aucun doute, monsieur. Mes informateurs sont formels. Cartouche et sa bande sont dans cette maison. Si nous ne les capturons pas, je veux bien m'engager à manger ma perruque. Eh bien, demain chaud, j'y veillerai personnellement. Dieu que c'est lourd. Ça pèse une tonne. Les voilà. Attendez. Que personne ne bouge. Attendez qu'ils soient tous sortis. Voilà ce qui se passe quand un aristocrate vole les riches pour donner aux pauvres. Et toi, si tu avais un peu d'éducation, on aurait pris les tableaux plutôt que toute cette argenterie. Mais non, monsieur n'aime que ce qui brille. Et pèse lourd. Il est plus facile de revendre de l'argenterie que des tableaux. Falconi, mais qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, revenez, vous allez tout faire rater. Le Lorrain. Tiens, mais c'est ce cher Falconi qui vient gentiment nous donner un coup de main. L'occasion est trop belle de régler nos comptes. Parlez-toi! Vite! Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Qui te dit que j'en avais l'intention, Falconi? Viens, le Lorrain! Par devant! Je te rejoins! Juste une petite affaire personnelle à régler. Mais qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-les! Derrière toi! Laissez-le-moi! Dépêche-toi, le Lorrain! Tu aurais dû me tuer il y a 10 ans, le Lorrain! Poussez ta lame un peu plus loin! Malheureusement, mon pied avait dérapé. Et cette balafre te va si bien. Il va falloir remettre cet entretien à plus tard. Pas question, tu es à moi maintenant! J'ai failli y attendre. À une autre fois, Falconi. J'y compte bien, le Lorrain. Non, non, il nous échappe, Falconi. Votre faute, oh, non. Je vous le jure, votre Altesse, je l'ai tenais. Ce n'est pas de ma faute, c'est Falconi. Il a tout fait rater avec ce duel stupide. C'est plus fort que lui, votre Altesse. Quand il voit le Lorrain, il perd la tête. Il devient fou. Oui, je crois avoir saisi. Merci de ma chose. Votre Altesse. Faites venir Falconi, sur le champ. Il est fortement contrarié, très fortement. Il veut vous voir. Il m'a dit merci de ma chaud. Faites venir Falconi, sur le champ. Ça fait aller vous y attendre, mon ami. Ce n'est pas la première fois que votre haine pour le Lorrain fait échouer une opération. Répondez-moi franchement. Pouvez-vous me promettre de renoncer à ce duel? Non, monseigneur. Je regrette, je ne peux pas. C'est bien ce que je pensais. Et dans ce cas, vous ne me laissez pas le choix. C'est très clair, votre Altesse. Je connais bien Nero Falconi. Il n'abandonne jamais sa proie. C'est pour cela que vous êtes ici, Montero. Il faut être deux pour faire un duel. Supprimons le Lorrain et le problème sera réglé. Fort bien. Il faudra bien sûr agir à l'insu de Falconi. Je n'ose même pas imaginer sa réaction s'il l'apprenait. Faites votre travail, je m'occupe de tenir Falconi à l'écart. Bon. J'ai déjà une idée, mais pour cela, j'aurai besoin d'un document écrit de sa main. Très bien, vous l'aurez. Mais surtout, soyez discret. Rassurez-vous, monseigneur, la discrétion est ma seconde nature. Approchez, voilà du magnifique perche avec ça, ma petite dame. Ce sera tout, merci. Et voilà. Un lot d'argenterie pour l'orphelinat du Faubourg Montmartre, un lot pour l'hospice de Sainte-Gudule, un lot pour... Et nous, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Oh, ne dis pas ça, c'est ce que disent ceux qui ne veulent rien donner. Juste de quoi dîner à l'auberge du père Giacco, on dit qu'elle est fameuse. C'est qu'il est gourmand, notre jeune ami. Mais il faut que tu saches, mon cher Froluquet, qu'un vrai cartouchien songe d'abord aux autres. C'est pas à toi que je parle, le Lorrain, c'est à Cartouche. Lui, au moins, il fait pas la morale. Oh, et insolent avec ça. Le Lorrain a raison. Si tu veux qu'on t'emmène dans cette auberge, il va falloir que tu gagnes honnêtement ton dîner. Allez, file, mauvaise graine. Si vous vous y mettez tous... Faudra du doigté. Le Lorrain est une des meilleures lames de France. Toujours attaqué sur le point le plus faible. Le gamin sera un excellent appât. Aidez-moi! Qu'est-ce que c'est? Par pitié, je suis blessé! Au secours! Monsieur? Lâchez-moi! Emmenez-le! Non, lâchez-moi!
Délicieux. Le gamin avait raison, c'est une très bonne adresse. Ça fait au moins une heure qu'il devrait être là. Ne t'en fais pas, va. Freluquet connaît les faubourgs comme sa poche. Il traîne un peu en route, c'est tout. L'un d'entre vous est-il Louis du Châtelet, alias le Lorrain? Oui, c'est moi. On m'a chargé de vous remettre ceci. Il faut que je parte. Je vous rejoindrai plus tard. C'est encore Falconi? Oui, il veut en finir une bonne fois pour toutes. Je viens avec toi. Non, Cartouche, je te remercie, mais ça ne regarde que moi. À tout de suite, les amis. Ah, je n'aime pas ça. Tu ne devrais pas le laisser y aller seul. Intervenir dans une affaire d'honneur, jamais il ne me le pardonnerait. Et puis il ne craint personne à l'épée. Oui, à une exception près. Falconi. Drôle d'endroit pour un duel. Désert et calme, monsieur. Ainsi, vous ne risquerez pas d'être interrompu. Je ne trouve pas du tout ce genre de plaisanterie, alors un conseil, messieurs, ne me ratez pas. Conseil pour conseil, je vous suggérerais plutôt, quant à moi, de me remettre votre épée, si vous tenez à voir votre jeune ami vivant. Freluquet, que lui avez-vous fait? Tu es là? J'arrive, le Lorrain. Ils ne t'ont pas fait de mal, ça va? Tu n'as rien? Non, je suis en pleine forme. Mais je crois qu'à cause de moi, on est dans un joli pétrin. Où est Falconi? Falconi, il ne sait même pas que vous êtes là. Et quand il l'apprendra, il sera trop tard. Si c'est moi que vous voulez, relâchez ce jeune garçon. Ce serait avec plaisir, mais j'ai pris l'habitude de ne jamais laisser de témoins derrière moi. Adieu, messieurs. On l'a cherché partout. Aucune trace de Freluquet nulle part. Personne ne l'a vu à l'orphelinat du Faubourg Montmartre non plus. C'est inquiétant. Il lui est arrivé quelque chose, c'est sûr maintenant. Il faut partir, les amis! Ne traînez pas! Falconi et un de soldats du guet fouillent le quartier. Falconi? Falconi est ici? Si c'est vrai, ça voudrait dire que le Lorrain... Oh. Non, ce n'est pas possible. Le Lorrain ne peut pas être mort. Occupez-vous des soldats. Falconi, je m'en charge. Au nom du régent, ouvrez! Vite, ne la laissez pas filer. Par le diable, il y en a un autre ici. Soldats, arrêtez-le! Où sont passés ces deux imbéciles? Tu vas payer pour ce crime, Falconi. Pour ce crime, lequel? De quoi est-ce que tu parles? Ne joue pas ce jeu avec moi. Prépare-toi plutôt à te défendre. Je ne laisserai pas la mort d'un ami impuni. Oh, la mort d'un ami. Je te le répète, je ne sais pas de quoi tu parles. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un faux. Je n'ai jamais écrit cette lettre. Tu mens, Falconi. Quelle raison aurais-je de mentir? Si j'avais tué le Lorrain, je serais ravi que tu le saches. Et que tu sois le suivant. Si ce n'est pas toi, qui est-ce qui a attiré le Lorrain dans un piège? Et pourquoi? La disparition de Freluquet est forcément liée à tout ça. Cartouche! Tout le monde croira un accident. Et ça réglera en même temps le sort du Lorrain et du gamin.
Merci, Fruluquet. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent nous noyer? Allons, allons, jeune homme. Comme tu y vas, tout de suite les grands mots, hein? Alors qu'en réalité, tout ce qu'ils veulent, c'est nous offrir un bon bain. Attends! On s'est servi de moi pour piéger le Lorrain. Cette affaire me concerne également. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'accompagne, je viens avec toi. Toi? Merci bien. Sans façon, je n'ai pas envie de finir avec une lame dans le dos. Le Lorrain est à moi. En outre, je ne suis pas convaincu que tu puisses vraiment refuser. Pourquoi? Ça n'est pas dans ton intérêt. Je sais qui a écrit cette lettre. Cartouche? 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 Comment ça? Explique-toi. C'est simple. La trame de ce papier est unique et très reconnaissable. On ne trouve qu'à Salamanque. L'homme qui a écrit cette lettre ne peut être que Juan Montero. Impressionnant. Un ami à toi, je suppose? J'ai travaillé avec lui à de nombreuses reprises. C'est un mercenaire, mais c'est surtout un lâche. Si tu le connais, tu dois savoir où il se cache. Ça n'est pas impossible. Ça suffit! Ne joue pas avec mes nerfs, Falconi. Cartouche! 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 C'est maintenant ou jamais. Allons-y. J'ai la berlue ou quoi? T'as vu ce que j'ai vu? J'ai pas rêvé. Eh non, tu n'as pas rêvé, Galichon. Ou alors nous avons fait tous les deux le même cauchemar. On s'en sortira jamais, hein? Mais pas du tout, voyons, allons, un peu d'optimisme, que diable, on finira bien par trouver une solution. J'ai une idée, tu sais nager? Comme un poisson! Formidable! Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est apprendre à respirer sous l'eau. Mais c'est pas drôle! Il y a un moulin en ruine sur les berges de la Seine. Montero s'en est déjà servi pour perpétrer certains de ses forfaits. Je te conseille de ne pas m'attirer dans un traquenard. Pourquoi? Pour l'instant, nous avons les mêmes intérêts. Tu n'as rien à craindre pour l'instant. Dis-le, Lorrain, je peux te poser une question. Quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi est-ce que vous vous détestez autant, toi et Falconi? Oh, mon pauvre Fruluquet, c'est une vieille histoire. Elle n'est pas jolie, soit dit entre nous. Je n'en suis pas très fier. Bah, au point où nous en sommes, je peux bien te la raconter. Cela remonte à une dizaine d'années. J'étais l'élève du comte de Mansour. Sans doute le plus grand maître d'armes qui ait vécu. Falconi était son élève lui aussi. Il était déjà très doué. Si doué que Mansour avait accepté de le prendre dans son école, bien qu'il ne fût pas noble. Nous étions rivaux. J'étais jeune, Fruluquet. Jeune, noble, riche et vaniteux. Je voulais être le meilleur. Je ne supportais pas de perdre, pas seulement à l'épée. Anne de Montsirac était une très belle jeune fille. Tous les jeunes gens lui faisaient la cour. Falconi en était fou amoureux. Et je pense qu'elle commençait à l'aimer aussi. Je ne l'ai pas supporté. J'ai agi par orgueil plus que par amour. Je lui ai tout promis, mon nom, ma fortune, le mariage. Sa famille l'a poussé à ne plus revoir Falconi. Je n'avais pas l'intention de l'épouser. Je ne l'aimais pas vraiment. Pour moi, ce n'était qu'un jeu. Quand j'ai su que j'avais gagné, je lui ai dit la vérité. Elle n'a pas supporté cette humiliation. Elle s'est embarquée pour le Nouveau Monde et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Falconi ne me l'a jamais pardonné et pour tout te dire, je ne me suis jamais pardonné non plus. Notre premier duel eut lieu le lendemain même. Messieurs, êtes-vous prêts? Prêts. Allez. J'aurais pu le tuer, mais je ne l'ai pas fait. Je regrettais d'avoir si mal agi, mais il était trop tard. Après cette histoire, j'ai quitté ma famille. Je suis parti à l'aventure. J'ai rencontré Cartouche. Et toi, Fruluquet? Oh non, retiens tes larmes. Pour ce qui est de l'eau, je crois qu'il y en a assez. Mais alors, si je comprends bien, le méchant, c'était toi? Oui, c'était moi, Fruluquet. Mais on change avec le temps, tu sais. Certains s'améliorent, d'autres sont à jamais marqués par la haine. C'est ici. Et ils sont là. Si nous sommes associés, tu dois accepter de jouer selon mes règles. Personne ne doit être tué. Dans ce cas, tu passes devant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voilà une surprise. Le célèbre Cartouche, je suppose. C'est dangereux de jouer avec des arbalètes. Dites à vos amis de jeter les leurs. Tout de suite! Je vais être ce qu'il dit.
Mes respects, Cartouche, très impressionné. Mais ce n'était pas très prudent de venir seul. Qui vous dit que je suis seul? Non, vous bluffez. Ah, vous en êtes sûr, Montero? Qui vous l'a dit? Comment pouvez-vous savoir mon nom? Je me suis permis de le lui dire. Falcone, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censé être là, et pourtant, tu t'es servi de moi, j'ai horreur de ça. Je n'ai pas pu faire autrement, mais on peut trouver un arrangement. On a Cartouche, je te le laisse, si tu veux. C'est tentant, mais je ne suis pas venu marchander. Non, attends, réfléchis, Falcone. On ne peut pas se battre, on est tous les deux au service du régent. Le régent? Quel régent? Je ne vois personne. Je ne vois que toi, tes sbires et moi. Tirez! Tirez! Rattrape-le et trouve-le, Lorrain. N'oublie pas ta promesse, Falcone. Pas de tuerie. Je ferai ce que je pourrai. La poussière de diamant. Un peu luxueux pour un vulgaire voleur comme toi, mais à la guerre comme à la guerre. Maintenant, tu as intérêt à me dire où est le Lorrain. C'est à cause de moi tout seul, laisse-moi, tout seul tu t'en sortiras peut-être. C'est hors de question, si jamais je revenais sans toi, Galichon me tordrait le cou. C'est fini, Cartouche. Il est trop tard maintenant, tu n'arriveras jamais à soulever cette dalle tout seul. Certainement pas, mais tu vas m'aider à le faire. Ici pour prendre un bain, tu t'es bien lavé derrière les oreilles, j'espère. Le Lorrain! Comment tu nous as retrouvés? Tu ne le croiras jamais. Parfois, je suis content de te voir, Falcone. Montero! Je te préviens, Falcone. Je défendrai cher moi, ma vie. Va au diable. Oh, le pauvre. Je n'aimerais pas être à sa place quand le régent va lui mettre la main dessus. Il est bon pour 20 ans de galère. Il ne nous reste plus qu'à fêter ça. Tout est bien qui finit bien. Le Lorrain. Oui. En ce qui me concerne, ce n'est pas fini. Tu avais donné ta parole, Falcone. Oui, et je l'ai tenue. Nous avons retrouvé le Lorrain. Ceci marque la fin de notre association. C'est inutile, Cartouche. Il ne renoncera pas. Et moi non plus, d'ailleurs. Fais quelque chose, ils vont s'entretuer. Je ne te l'ai encore jamais dit. J'étais trop orgueilleux pour le reconnaître, mais je regrette. Je n'ai que faire de tes regrets. Excusez-moi, mais j'ai eu mon compte de duel pour aujourd'hui. Alors à moins que vous ne soyez capable de vous improviser forgeron, il faudra régler votre différend à main nue. C'est tout aussi idiot, mais un peu plus inoffensif. Ouais! Aïe! Oh, je te revaudrais ça. Tu me le paieras, Cartouche. Tu te rends compte que dans l'état où je suis, je peux dire adieu à mes rendez-vous galants. N'exagère pas. Ce n'est rien, à peine quelques petites égratignures. Dans 2 jours, ce sera passé. Ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Tu crois? Et pour ce qui est de vos petites affaires d'honneur, je serai plutôt de l'avis de Cartouche. La boxe, c'est moins élégant que l'escrime, mais au moins, tu peux recommencer autant de fois que tu veux.
Je suis votre serviteur, monseigneur, mais ne refaites jamais cela. Ne tentez plus de vous immiscer dans mes affaires personnelles. Je ne serai jamais une de vos marionnettes. Êtes-vous réellement convaincu de ce que vous dites, mon ami ? Sans moi, vous ne seriez qu'un mercenaire sans avenir. Un homme sans idéal. Vous n'existez que par moi. Vous pouvez disposer. Allez.